Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de League of Legends. On joue Olaf Jungle. On est avec un Gangplank, une Diana, une Vayne, une Lulu, contre un Rumble, un Amumu, un Zed, une Xayah, une Leona. On joue en platine et on est en duo avec un abonné qui joue Gangplank. Ok, c'est parti. Hop, tac, tac, tac. On va start au bleu comme d'hab. On va cover tranquillement. Bon. Il y a pas mal de mobilité, Zed, Xayah, ça peut être un peu relou à choper. Ah, mon duo qui est déjà AFK, c'est un peu unlucky, mais tranquille. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Bon, dans les fights, je pourrais rush Rumble, j'ai quand même pas mal de... J'ai choisi Olaf quand j'ai vu Leona Amumu en face, je pense que c'est quand même pertinent comme choix. Ok, bon ça fait un moment que j'ai pas joué Olaf, mais je suis toujours content de le jouer. Alors, je sais pas pourquoi il cover pas, ça je comprendrai jamais. Pourquoi il y a personne qui est ici pour cover l'entrée? C'est un truc, ça me dépasse. Bon! Quel plaisir de duo avec un abonné, hein. Bah écoutez, c'est bien. La Diana qui commence à me dire je sais pas quoi, à vouloir m'apprendre comment jouer mon perso, c'est bien. Bon bah je crois qu'on va partir sur un remake. C'est bien, c'est pas comme si c'était mon duo quoi. Ah bah non, pas de remake, juste pas de top lane. Très bien, très bien. Bon, je vais rien dire. Il s'est passé des trucs dans le chat Twitch avant, mais on va rien dire pour la vidéo YouTube, tout va bien. Tout va bien. Bon, qui a besoin d'une TP pour jouer top lane? Personne. Tout est fine. Ok, bon, ça confirme un peu mes théories, mais tranquille. Bon, allez, on va se focus. On va faire le clear into red, into carap top, en espérant pouvoir contest le Amumu. Bon, sur l'early, je vais être assez fine avec Olaf contre lui. D'où le choix de ce perso. J'essaie vraiment de me forcer à varier mes picks au maximum. Je trouve ça assez important de pouvoir s'adapter aux différents match-up. Hop. Le bon clear de Laf, toujours stylé quand même. On dira ce qu'on veut, ça a de la gueule. Top qui va peut-être kill. C'est pas loin en vrai. GG monsieur l'abonné. Ok, on va rush la menu. Voilà, dommage qu'il ait plus de TP pour le coup, c'est vraiment le lucky ça. Je me retrouve en 1v2 ou pas? Oui. Ah non, un V3, pardon. Ouais, bah c'était de la merde, le Z qui vient avec. C'est vraiment dommage qu'il ait pas eu de TP, je sais pas pourquoi. J'ai pensé que... Je m'attendais pas en fait à ce que le Rumble il arrive comme ça direct. Ouais, bah my bad. Tac, tac. Donc ça c'est un peu la merde du coup. On va aller chercher le carap. J'ai un peu hésité à quand y aller, quand ne pas y aller, c'était peut-être que j'ai mal géré le truc, mais je voulais bait le Amumu en fait, mais bon, en fait on s'est fait prendre en 2v3, donc c'est un peu... Bref. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième carap au moins? Alors là, je sais pas pourquoi il me le laisse. Ça va, on va dire ça limite la casse. Smite est à 430. Bon, c'est quand même compliqué comme start, ça c'est pas ouf. Il s'est fait tuer top. Ah oui, il s'était entretué je crois. Oui, c'est ça. Non, c'est Amumu qui avait récupéré. My bad, my bad. Drake 19 secondes. En vrai, la botte elle a pris haut. S'il push, on devrait avoir un Drake assez secure.
va jouer greedy. Hein. De toute façon, on joue pas Olaf pour jouer safe, ça c'est la base. Smite à 450. On n'est pas vu pour l'instant. Bon, il s'en doute, j'imagine, mais. Voilà. Ça c'est bien, ça compense un peu avec le début chaotique. Good, good, good. Alors oui, je teste un Olaf Estropieur, hein, c'est assez nouveau. Avant je le jouais à l'Éviscérateur, mais j'expérimente un peu. Alors on a un Z en 2-0. Bon, je vais prendre mon level 5. J'ai un peu peur pour la... Bon, la Diana elle est full life level 6 en vrai, je pense qu'elle devrait être fine. Peut-être qu'il y a moyen de le catch. Bon, ça, apparemment ça va pas fight. On va aller check le carap s'il a repop. Non, pas de repop, mais par contre faut le rumble. Oh là là, j'ai mon flash. J'aimerais bien venir Diana, mais il y a un rumble à choper, hein. Sorry. Là, on va essayer de pas le rater. Un allié a été tué. Il va prendre les dégâts un jour par contre ou... toujours plus de temps perdu. Hein. Elle s'en est sortie au mid? Je crois pas. Pas de ward. Je vais aller un peu counter jungle. Il a eu l'assist, hein, je crois. Ouais, ça c'est cool. Ok, bon. Normalement, je suis assez tranquille. Si je croise Anemu à ce stade de la game, je devrais le gérer sans trop de problèmes. Alors est-ce que je peux récupérer quelque chose de plus vite? Le problème c'est que les persos comme Z qui ont beaucoup de mobilité, c'est très compliqué de les tester avec Olaf. On court dans le vide et on touche rien. Pas hyper agréable, je vous avouerai. Voilà par contre. Ouais, pas eu besoin de moi. Elle crève peut-être, non. Ok, alors par contre on va se régaler. Ok, bon, je sais bien qu'elle est le farm, c'est le sien de toute façon. Je cherchais pas à le prendre, hein. Je voulais juste push et prendre un max de plates. Bon, ok, bah j'ai jamais mieux, c'était bien. Il a flash en plus, hein. Bon, flash R pour rien, bah j'ai à lui. En vrai, tous les 100% en kill ici. Hein. Ah, il avait pas R? Oh le Z, too much. Là la Diana j'aurais pensé qu'elle viendrait trap parce qu'elle avait le bleu pour elle après. Bon le Mumu je le gérais sans problème, par contre le Z, bah, c'est ma faute, hein, ça c'est... C'est ma faute, j'aurais dû prendre en compte le Z. Je m'attendais à le tuer un peu plus vite, c'est vrai que ça tente quand même, et surtout je pensais que Diana viendrait avec moi en fait. Donc ça c'est un peu mal compris. Je prends une pink. Bon j'ai récupéré le bleu quand même, en farm je lui mets un peu de distance, mais j'aurais apprécié de le tuer. Je crois que je l'ai même pas kill en plus. Hein. Non. Bon, malgré tout, bah du coup, certes, la Diana n'est pas venue avec moi, mais du coup, il y a le GP qui se tombe le top. Bah c'est cool, c'est un abonné, il a l'air de bien gérer son perso. J'étais un peu inquiet parce qu'en fait, on a un peu discuté en champ select parce qu'il a 30% de winrate overall sur le compte et je l'ai fait remarquer. Il y en a dans le chat qui se sont mis à s'exciter. Mais tout va bien. Ok, il y a Mu. Est-ce que je viens de rater ma hache? Absolument. Est-ce que je peux y aller à temps? Un peu too much les amis. Bon, c'était correct. J'ai pris un ulti de Rumble, ça s'est sorti un peu de nulle part. C'était hyping, oui mais je prends 2 kills en fait et. C'était rentable en fait. Je prends 2 kills là-dessus, j'ai mon Estropieur, je vais être bien strong pour le Drake. Bien gérer mon fight, j'ai eu l'ulti pixel perfect sur le timing. Il y a encore le carap bot du coup à prendre. J'ai mes bots qui viennent de proc, là j'ai un power spike de fou. Drake 28 secondes, je vais aller récupérer le carap avant toute chose.
Ah oui, c'est bien, ça c'est un bon timing pour kill. Alors je pourrais rush le Drake maintenant, je vais plutôt aller déclencher la plante en face, mettre une pink un peu deep. Je pense que ça devrait faire le taf. Drake mille fois, hein. Là ils ont le pio bot. Je vais prendre le Z. Ça va être à 540. Alors, j'ai hésité à bouffer mes potes, j'ai préféré ne pas les prendre pour clear le Drake plus vite, hein. C'était un choix délibéré. Il a essayé de steal le Drake, j'étais attentif à bien smite. Je dis ça, non, j'ai même pas smite en fait. J'avais l'intention, je crois que j'ai pas smite, hein. J'avais l'intention de bien le smite en tout cas. Bon, je me souviens pas prendre le Drake, mais bah, je suis mort quoi. Ça, c'est un peu sad, j'aurais pu m'exposer un peu moins et prendre mes potions. Bon, j'ai peut-être pas très bien réagi sur le zoning autour, j'ai été un peu déconcerté que la Diana elle l'amène ici. Bon, ils prennent le Herald en face, c'est un peu chiant, mais bon, overall, on a les deux Drake quand même. Sur le long terme, ça fera le taf. En plus, le Amumu, il tire un gros profit des Drake. Ce qui est relou, c'est que la botlane joue très très push, alors qu'avec Olaf, j'aimerais bien gank plus, mais... Je peux jamais trop, puis bon, avec une Leona quand même, Leona Xayah, c'est deux persos qui sont compliqués à dive. Je sais pas pourquoi j'ai pas le timing de repop de mon bleu, par contre. Ça me fait un peu de la peine. Il y a peut-être du Amumu par là, je vais aller check mon raid. Oui, bah sans surprise. Ça c'est chiant en vrai. Je vais essayer d'y aller. Je suis un peu late, il n'y a plus de tour, ah, c'est terrible. Est-ce que je peux... Vas-y, je vais tenter, c'est un peu greedy mais... Pas trop dégueu en vrai. Relou qu'il ait eu le raid, mais bon, c'était un peu obvious. C'est pas grave, je suis bien quand même. Je fais du bon taf. Z level 9, ça devrait être ok. Je préfère aller secure la rivière sur le carap que d'aller push top. J'ai plutôt envie de kill la menu quand il va repop. Je vais aller le chercher dans sa jungle. Bon, il y a mon bleu qui a pop en face, mais là il y a le sien qui va arriver, donc peut-être qu'il va revenir par là. Je vais pas utiliser le Z pour être sûr de l'avoir quand je vais fight. Je peux me prendre un Mumu à tout moment là. Éventuellement, si. Voilà, la Diana qui se fait encore camper, la pauvre. En vrai, si, là, je vais prendre le Z pour le clear plus vite. Il y a un monde dans lequel il me le vole au bantlet, mais je ne pense pas. Il est peut-être là, Mumu. Ok. Bon, elle s'en sort. J'ai peut-être moyen d'arriver par là. J'ai l'ulti qui vient juste de repop. Je vais pas trop y aller deep. Je vais passer par le côté. Je prends la vision. Ah, j'ai le cul sur une pink. C'est un peu sad. Ça touche. Aïe. Oh, le Z, il rigole zéro. Bon, là j'ai un clear à faire de ma jungle. Je pense qu'il y a le raid en face. Je vais aller check. C'est un peu greedy, mais bon, il y a pas mal de vision. J'ai une Lulu en backup, j'ai mes sorts. Le Z il chase pas. Non, ça a l'air d'aller. Oui. Si j'ai un peu de backup. Hop, ok, c'était pas mal ça, bonne action. Je prends le raid, je prends un Mumu. Pas dégueu. Le GP du coup qui se tombe top puisqu'ils étaient tous commit the bot side là. Bon, je me mets bien, je fais une game plutôt ok en vrai, c'est cool. J'ai été un peu inquiet quand j'ai vu le GP qui était pas co, mais il gère bien son perso. J'avais déjà joué avec lui, je sais qu'il est bon sur son GP. J'avais juste un peu oublié. Ok, tac, le R level 2, est-ce que j'irai pas bot side en vrai? Oui, bien sûr que je vais bot side. Rumble, pas beaucoup de mobilité. Alors il va falloir que je reset au bout d'un moment. Ok, c'est wardé. Je vais juste... ouais, je vais reset Drake. Troisième Drake, ça serait bien qu'on l'ait. Ce serait clean.
Tac, je vais partir avec pas mal de dégâts. C'est assez... assez ballsy, mais j'aime bien. C'est mon style de jeu. Je joue pas Olaf pour ne pas mettre de dégâts. Je vous préviens tout de suite. Alors là, la Diana qui crève avant le Drake en étant archi exposée, ça fait un peu chier. J'ai demandé à préparer le Drake. Bon, après, si elle faisait un catch, ça nous aurait mis bien, c'est sûr. Mais là, c'était pas trop le bon timing pour crever. Il y a une TP sur le GP. Petite pink ici, ça régale. J'ai envie de le test, mais... Ok, on le pull. La Vayne qui est très exposée. Après, si elle se prend un gang du Amumu, ça veut dire que nous, on est 100% free derrière. Smite à 680, j'ai mon ulti qui est prêt. Ça peut venir par en bas. Attention, faut pas leur donner de trucs pour qu'ils puissent dash. Ok, ça c'est fait. Je vais tomber sur le Rumble. Oh bah oui, c'est bien ça. Allez, il prend des dégâts, hein, mais... Mec, tu saoules un peu. Hein. On va aller avec les potes. Ok, bon, j'ai mis une petite hache stylée, mais là, j'ai un peu du mal à trouver les dégâts. Et hop là, petit estropieur qui me fait un dashin. Les dégâts bruts, oui. Ok, bon, le GP qui récupère les kills, c'est bien. Je sais qu'il en fera quelque chose. Alors ça fait un peu chier. On y va. Enfin, on y va, mais sans trop s'exposer non plus. Du coup, pas de hint. Ouais, bon, ghost up là en vrai. C'est trop hasardeux là. On se barre, on a claqué un flash sur l'ADC, c'est très bien. Vraiment là, elle va se faire défoncer là. Bon. Le bait était propre, on a claqué le flash en plus. Par contre, la Diana, je sais pas trop c'est quoi ses engage. Moi, il faut que je vais reset parce que là, j'ai mon item, j'ai un bon power spike. Oh, la belle hache plantée dans le sol, ça, c'est tout ce qu'on adore, ça. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux le clear en vrai? Ah, putain, mes corbins ont disparu. Ça me défonce mon efficacité de mon déplacement sur la map, c'est terrible. Bon, il prend les Herald, le Amumu, j'ai tous les Drake, hein, chacun. Choisis ton camp, hein, moi, les Drake, ça me va. Le GP qui récupère, ça régale. Bon, vraiment, Olaf Estropieur, ça me sert bien les Estropieurs. Hein. Ça casse la distance, pour caler une hache, ça peut surprendre. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être un bon choix. C'est assez atypique, mais vous savez que moi, les piques hors méta, j'aime bien, donc... Allez, je vais reset maintenant. Faut absolument qu'on joue le prochain Drake, peut-être commencer à penser au Nashor quand ça va pop. Je suis bien strong, hein. J'ai 50% de farm de plus qu'à Mumu. Je vais prendre ça en vrai, j'aurais aimé prendre l'autre item, mais ça me fera un peu tanker quand même. Je vais rush le raid en face. Bon. Ah, on avait plus de Vayne, décidément. Compliqué cette game. Hein. En vrai, go 100% là. J'en vois deux top, on fait du 2v3 avec Lulu sans aucun souci. Meurtre en série ennemi. Ok, bon, peut-être stop là. Oh, quoique là, il y a peut-être moyen de faire un catch. Hein, ok. Bon, on a pris de la vision, c'est déjà ça. Ce serait bien que quelqu'un aille push un peu les side lanes, le problème c'est que bah, c'est GP qui doit push. Hein. Il a la TP.
peut se le permettre. Moi, je suis trop lent à bouger sur la map pour me permettre de split. J'ai pas eu dire là, donc. C'était bon, les haches dans le mur, j'ai du mal. Hein. 40 secondes le Drake. Je vais essayer de tomber sur Xayah. Et la veine qui part en mode un peu vénère. Je vais être là en backup s'il y a besoin. Donc bon, elle gère, mais si ça lui tombe dessus, je sécurise. GG ça. Le petit trap. Je sais qu'ils sont pas loin. On est trop exposé là. Lulu, tu me fais peur à passer par là. On le snipe. Hein. C'est le sol ici. Même lui, il est pas en position. Snipe à 770. Yes. La hache qui touche. On peut y aller. Hein. Et vous avez vu le petit dash hache là? Stylé en vrai. Okay, je suis un peu isolé. On peut presque jouer le Nashor, je pense. C'est qu'il faudrait quelqu'un qui split bot en vrai. On peut trap, 100% on peut trap. Je suis très très chaud pour trap. Alors, je sais pas pourquoi on y est pas tous par contre. Vas-y, je fracasse le camu. Le trap était bien, mais il n'y a pas eu de follow-up. Un flash, hein. Oh, j'ai vraiment cette touche pas. Je sais pas, le trap était bien, mais ça a pas trop follow. On était deux sur le trap, alors que là on aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. En vrai, je pense qu'on prend la tour et on gonache. On a les dégâts, on a Vayne et moi, on va le faire hyper vite. Dommage quoi. Bon, c'était quand même overall un très bon move, mais on aurait pu, je pense, avoir encore beaucoup plus dessus. Que ça TP. On y va. Tu me le chopes, il crève. Bon, ça va la move speed aussi là. Du coup, ça part en Infinity Chase. Mon gros, tu vas prendre une sauce. Voilà, là on y va. Je peux all-in éventuellement. Je suis pas non plus hyper tranquille, donc faut que je respecte. Bon, encore une fois, le move est globalement bon pour nous, mais on aurait pu en tirer plus. Après là, j'ai tellement sécurisé les Drake, on a 4 Drake à 0, c'est quand même pas mal ça, je vous avouerai. J'espère qu'il a bien kiffé ses Zeralds de la Mumu. Alors par contre faut pas leur laisser, mais je pense pas qu'ils le fassent là, ça m'étonnerait. Ok, vas-y, je vais le laisser avaler. Il y avait un bleu en face, bon j'ai un item dans 400 gold. Je vais go check le carabot. On peut pas... Il faudrait qu'on fasse un catch avant d'envisager... En vrai, je peux peut-être... Il y a peut-être un Mumu qui va venir chercher le carap, je peux peut-être essayer de le... Le Rumble. Le Rumble, il a plus de Zonia. Je peux tellement le bouffer. Voilà, ça régale pour le Nash. Ça peut peut-être être l'opportunité dont je parlais, dont on avait besoin. C'était excellent ce que je viens de faire là. J'aurais peut-être pu le faire sans perdre le flash en étant un peu meilleur mécaniquement. Une petite Xayah qui veut venir là. Ah, ils ont FF. Ok, je pensais aller prendre Red into Carap into Nash. J'étais en train de me setup déjà la suite. Donc un petit GG. Ah, ça, j'ai pas eu le temps. Bon. Bah écoutez, plutôt clean de mon abonné et de moi-même, c'était stylé. Alors, remettre de l'honneur.
à Lulu, qui a fait un bon petit taf de support. Bon, en vrai, tout le monde le méritait. Peut-être pas Diana, mais... C'était good. C'était plutôt good. Je viens voir les stats. Ok, j'ai mon col, j'ai mon S. S-. Je suis deuxième au gold, juste derrière mon abonné, mon duo. Bah écoutez, c'est très propre. Là, la team était quand même pas dégueu. Il y a eu du follow-up. C'était une team plutôt sympa. Même la Diana qui a été un petit peu en difficulté, c'était pas abominable, elle a fait des trucs, elle a essayé de jouer, elle s'est quand même fait pas mal gank par Amumu, j'ai l'impression, donc c'était plutôt clean. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.